وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce qui a divisé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Quraysh? Il aurait pu ne rien leur dire. Ils lui ont proposé les clés de la Mecque. Ils lui ont proposé le pouvoir, la royauté, les femmes, l'argent. Il aurait pu dire, bon, je dis rien, je prends le pouvoir. Pour l'instant, on les laisse avec leur statut. Après, quand j'aurai le pouvoir, je vais instaurer l'islam. Comme aujourd'hui, certains prétendent. Oui, on va prendre le pouvoir, après on va instaurer l'islam. Ils ont pris le pouvoir, ils ont ouvert les portes aux Rafida, aux chiites qui viennent enseigner dans leur pays. Avant, ils n'y rentraient pas. Ils n'ont pas détruit les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah. Elles sont toujours là. Et même encore pire, quand il y a des frères ou des gens qui veulent aller détruire ces tombes et ces kibab adorées en dehors d'Allah, ils leur empêchent, ils les empêchent. Et ils leur disent, vous êtes en train de toucher au patrimoine du pays. Donc il est où leur soi-disant, on va arriver au pouvoir, après on va mettre en pratique la charia. Le tawhid, ils n'ont pas, voulu mettre en pratique. Arrêtez le chiffre, déjà, ils ne le mettent pas en pratique. Au contraire, il faut entrer des groupes égarés qui enseignent le chiffre et le kufr. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains aujourd'hui, certains groupes disent, d'abord il faut d'abord arriver au pouvoir, d'abord il faut avoir les rênes des choses, il faut accepter pas mal de choses, baisser les yeux sur pas mal de choses pour qu'après on puisse installer l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté cela. Quand ils sont allés voir Abu Talib, pour qu'il aille voir son neveu, qu'il arrête de prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? S'ils me mettent le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, j'arrêterai pas. Ils lui ont proposé tout. Il a dit, je n'arrêterai pas jusqu'à ce qu'Allah fasse vaincre ce message ou que je meure pour sa cause. Donc voilà l'importance du tawhid. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les moments les plus difficiles, comme quand il était à la Mecque seul, même quand ils étaient allés partir en bataille, il ne se taisait pas quand il voyait des gens faire des choses contraires à la base de l'islam, qui est le monothéisme pur. Na'am.